Bonjour à tous et à toutes au programme de cette vidéo du cycle 4. Cycle 4, c'est le collège. Thème mouvement et interaction. L'interaction gravitationnelle universelle. Vous êtes prêts? Alors c'est parti. Alors, quelle différence a-t-on entre le fait que la Lune tourne autour de la Terre et entre une pomme qui tombe. Une idée? Eh bien, d'un point de vue physique, c'est le même phénomène. Le phénomène, c'est l'interaction gravitationnelle universelle qui a été formulé en 1687 par Isaac Newton. Cette interaction est une interaction attractive à distance et même à très très grande distance. C'est une interaction qui existe entre deux corps, deux objets qui ont une masse. On dit des corps massiques. Autre caractéristique, c'est que c'est une action réciproque. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, tout simplement que si un corps A ou un objet A exerce une action gravitationnelle sur un objet B, alors réciproquement, l'objet B exerce une action gravitationnelle sur l'objet A. Comment on va modéliser cette force d'interaction gravitationnelle? On a la formule suivante, F égale grand G multiplié par MA multiplié par MB divisé par D au carré. Alors, quels sont les termes de cette formule? Tout d'abord, G majuscule est ce qu'on appelle la constante de gravitation universelle et elle vaut 6,67 fois 10 puissance moins 11 Unité SI parce qu'au collège, on ne précise pas l'unité de cette grandeur. De toute façon, cette valeur n'est pas à connaître. Ensuite, on a MA et MB. Ce sont les masses des deux objets qui sont en interaction. Ces masses sont à exprimer en kilogrammes. Attention aux unités. Enfin, la distance qui sépare le centre des deux objets est exprimée en mètres. Et là, attention encore aux unités. Au final, ce qu'il faut savoir faire, c'est utiliser cette formule et donc bien prendre garde aux unités. Quand on modélise la force d'interaction gravitationnelle, on trace le vecteur force. Ici, on a la Terre et la Lune. La Terre attire la Lune. Donc la force exercée par la Terre sur la Lune est placée sur la Lune et va vers la Terre. Mais comme c'est une force réciproque, on a également la Lune qui attire la Terre. C'est une force opposée, même direction, même valeur, mais sens opposé. Et c'est bien sûr sur la Terre que s'exerce cette force qui l'attire vers la Lune. Alors, bien entendu, l'effet d'une force dépend de la masse des objets. Il est plus facile de mettre en mouvement un objet léger comme la Lune qu'un objet lourd comme la Terre. Voilà, c'est fini pour cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura aidé à bien vous éclaircir les idées sur l'interaction gravitationnelle universelle. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. Partagez également la vidéo. Abonnez-vous et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos du cycle 4 et surtout n'oubliez pas, la physique, c'est facile, très facile.